Et lui à tous et à toutes, c'est Bestie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième chapitre de La Frappe Soluce de Uncharted 2 Among Thieves. Among Thieves. Voilà, je sais comment prononcer ce mot. Heureusement qu'il y a cette petite pause pour vous dire que dans la dernière vidéo, bah, vous avez, si vous l'avez vu, on avait récupéré un plan de la carte qui nous disait qu'il fallait se retrouver là pour chercher la pierre de Shintamani qui se trouve à Shambhala. Blablabla. Alors là, on a eu un petit accident de voiture hein, à la fin de la dernière vidéo, et vu que là on se relève, on est un peu dans la merde. Donc maintiens L et appuie sur R1 pour courir en tirant. Donc bah c'est parti. Ah donc là, faut s'échapper. Allez, tiens, dégage. Oh merde. Ah donc là on est revenu. J'ai plus de balles malheureusement. Alors il n'y a pas de trésor à récupérer dans ce chapitre, mais bien la relique étrange de qu'il y a dans tous les Uncharted. Ok. Le vieux marché. Et ça doit être par là. Trouvez-le. Putain. Allez, allez, allez! Oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Ah, donc là, on bouge pas. On tire pas, on attend. Tirez dans les pneus! Ah, des rebelles qui... Bah, qui vont nous aider, hein. Allez, tiens, mange. Toi, je fais... Allez, voilà, tiens. Bon, je parle pas trop parce que je suis concentré. Maintenant, on doit juste trouver Chloé. Maintenant, on doit juste trouver Chloé, effectivement. Mais avant tout, je récupère des balles. Voilà. Ça peut toujours me servir. Là, par contre, j'ai plus que 3 balles de flingue. Alors oui, je parlais de la relique étrange avant que je sois interrompu. La relique étrange, bah, qui est étrange, bien évidemment. Alors en fait, donc bon, je vais suivre le script de l'histoire, vous allez voir. Voilà, donc là, ça veut dire qu'on peut pas passer par là. Donc, faut trouver un autre chemin. Oh, je suppose que je vais pas passer par là. Donc là, vous avez pu voir qu'il y avait une nouvelle arme. Hop, le phal. Bon, que je vais pas prendre parce que je vais pas m'intéresser à ça. Alors, la grande nouveauté dans Uncharted 2, c'est qu'on peut grimper sur tout. Sur toutes les choses que où on peut grimper, bien évidemment. Parce que dans le premier, on pouvait... En fait, c'était assez scripté. On pouvait grimper que sur ce qui nous montrait. Et là, on peut vraiment grimper sur tous les rebords, les bâtiments. Bon, pas évidemment tous les trucs, hein, parce que sinon, ça serait pas le cas. Mais, enfin, c'est... Je dis un peu de la merde, mais ça... S'ils ont pas... Ils y sont pas encore arrivés là. Mais on peut quand même grimper sur pas mal de choses. Par exemple, hop, là... Donc c'est par ici que je dois passer. Hop, donc c'est parti. Allez, grimpe. Alors là, faut aller... Non mais faut aller à droite en fait, t'es con. Voilà. Là, la petite musique derrière, sympathique. Waouh, waouh. Voilà, donc là, faut qu'on aille par là. Oh, oh, oh. Voilà. Donc là, on peut pas passer par là, donc évidemment, faut qu'on descende. Belle manœuvre. Belle manœuvre, petite blague en rapport avec le la voiture. Donc là, hop, on fait ça. Et on grimpe.
Ah oui, c'est par là que je dois passer. Donc là, on attend. On va pas y aller direct franco, hein. Parce que vous voyez que ça, c'est quand même plus fort que nos petits flingues de merde. Et qu'il y a un mec qui est juste là. Hop, tout en douceur, tout en finesse. Alors, je sais pas si on a en bas. Je sais pas s'il y a des gens en bas. Hop, normalement, il y a des gens en bas. Que j'ai fait le con. Alors, la relique étrange, elle est ici. Il faut qu'on tombe dans les égouts et elle est juste là. Voilà, chercheur de reliques. Et voilà, relique étrange. Et oui, évidemment, c'est très étrange parce qu'on sait pas ce que c'est. Alors en fait, ça, ça ressemble à la pierre de Shintamani qu'on va retrouver à la fin du jeu. Enfin, ça ressemble. Vous donnerez votre avis, mais pour moi, ça y ressemble beaucoup. Donc là, j'ai rechargé. Non, je vais garder ça. Toi, t'avais quoi, toi, déjà? T'avais plat de flingue, évidemment. Alors la nouveauté, hein, on passe plus dans le mode furtif, vous allez voir. Sauf que moi, vu que je suis pas un bourrin, eh ben ça me sert un peu à rien. Bon, allez, on va y aller franco. Bon, par contre, vu que j'ai plus de balles, je vais prendre le fal. Ah, donc maintenant on peut viser avec les armes, hein, ça je l'avais déjà dit. Donc vu qu'avec le fal on a un viseur laser. C'est ce qu'on va voir. Et on a des nouveaux types d'ennemis, hein, regardez. Le mec au bouclier. Alors le mec au bouclier, je vais vous montrer comment faut le battre. S'il veut bien se montrer. Hop. Allez, ramenez. Ok, ça m'a l'air bon. On va prendre ça. Donc là, le bouclier, on peut le réutiliser, hein. Mais bon, ça me sert pas à grand chose de réutiliser ce truc. Ok, on a encore les flingues de merde. On peut toujours réutiliser les barils, hein, comme vous avez pu le voir. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Des grenades, un fusil à pompe. Un AK. Ok, bon. Ok, alors ça, ça fait peur. Oh. Oh, on dirait que je suis toujours là pour te sauver la mise.
Ouais, mais c'est une belle mise à sauver. Ah. Ah. Ah, ce ne serait pas une ancienne dague rituelle tibétaine que je sens dans ta poche? Peut-être parce que je suis content de te voir. Fais gaffe! Alors c'est ça, la fameuse clé? Effectivement. Le passeport de Marco Polo pour Shambhala. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, j'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que Lazarevitch n'ira pas très loin sans elle. À ta place, je le sous-estimerais pas. Flynn et lui sont en train de mettre la ville sans dessus dessous. Ils détruisent tous les temples les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nate? Je déteste quand tu fais ça. Regarde ça. Est-ce que tu vois ce symbole? Ouais. Regarde là-haut. Ok, je vois la ressemblance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait comment Marco Polo a trouvé le prochain indice. Le temple qu'on recherche va porter la marque de cet emblème. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trouver. Je sais pas si tu as intégré le fait qu'il y a des centaines de temples dans toute la ville. Oui, mais si on pouvait prendre de la hauteur pour observer... On pourra repérer notre aiguille dans le tas de foin. C'est ça. Il y a un hôtel pas très loin d'ici. Chloé, c'est pas le moment idéal. C'est de loin le plus haut bâtiment de tout le secteur. Ouais, ouais, bon, ok, c'est bien vu. Suis-moi. Ok. Et voilà, et là... Non, c'est pas le prochain chapitre. Bon, bah, on continue alors. Ok, c'est parti. On va récupérer les petites balles, les petites munitions qui se sont perdues. Hop, dans le tas de trucs. Hop, 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 hop. Ça va pas. Attends-moi ici, je vais voir si je peux trouver un passage. Mais il y a un désert eagle ici. Par contre, non, ouais, non, je vais reprendre mon petit flingue parce que j'adore ce flingue. Alors, là, un passage par là, ça veut dire qu'il faut qu'on grimpe. En langage Nathan Drake, ça veut dire ça. Ok. Par où je peux passer? Alors. Il faut que je passe par quelque chose. Réfléchissons. Ça devrait m'emmener en haut. Grimper sur le panneau. Ça devrait m'emmener en haut. Ah oui, le panneau qui se trouve là-bas. Ok. Hop. Je l'ai. Hop, je peux pas aller. Ah si, c'est bon. Je l'ai. Hop. Hé, hey, je vois l'hôtel d'ici. Ouais, je sais, on y est presque. Ouais, par contre, là, je fais comment? Est-ce qu'il faut que... Je suis obligé de passer par là. Enfin, normalement. À moins que... Non, c'est par là que je suis obligé de passer. Voilà. À l'assaut! Voilà. Et là, je peux. Sauf que là, va y avoir des méchants. Plein de gros méchants habités. Ah, vite, vite, tombe! Au secours, au secours, au secours! J'ai mal! Toi, tu veux jouer? Tu t'es mangé ma grenade. Attends, je vais ouvrir à l'autre grognasse, comme ça elle va pouvoir m'aider. Je te couvre. Ah.
je vous conseille d'utiliser le phal hein, pour les tirs à distance, parce que vous voyez, il a le viseur qui est assez... Enfin, qui est idéal pour ce genre de truc. Tiens, maintenant j'ai besoin de ça en fait. Voilà, on me casse pas les couilles à moi. Une petite grenade. Tiens, encore des grenades. Faudrait que tu me portes. Je crois que je peux atteindre l'échelle. Oui, on va se calmer deux secondes. On va attendre encore un peu. Est-ce que je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à regarder? Apparemment pas. Donc, c'est parti. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. On y est. Tu viens pas me dire que je fais rien pour toi. Merci Nathan, si tu sais pas monter une échelle, je peux plus rien pour toi. Mais qu'est-ce que tu fous là, sérieux? Monte à cette connasse d'échelle. Allez, on continue. Allez, par ici. C'est bon. C'est quand tu veux. Je peux pas me prendre une écharpe. C'était chevaleresque. La galanterie est pas morte. Suffit de montrer. On continue. On remarque au passage hein, les différents aspects, modélisation qu'ils ont réussi à faire. Hop. Et on arrive au chapitre 6, moment de désespoir, et ça, bah, ce sera évidemment dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, on se retrouvera la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau chapitre de Uncharted 2. Et portez-vous bien, aimez mes vidéos, et à plus tout le monde.